The Banlieue Project is a platform for residents of France's disadvantaged suburbs to tell their own stories. We provide the camera, and they film their experiences to break down clichés about the French banlieue. En France, plus d'une personne sur trois ne trouve pas de sens à son travail. C'était le cas de Riyad, technicien en architecture, issu du quartier de la Lyonderie, près de Lille. Caméra au point, il nous emmène dans sa nouvelle vie. Une vie au rythme des saisons et de la pousse de ses légumes bio. Pour trouver du bio au quartier, on suit Riyad, le jardinier. Salut à tous! Ça récolte de la salade pour la map. Donc je m'appelle Riyad, le jardinier. J'ai 30 ans, donc vous êtes ici dans ma ferme. Donc les gens s'abonnent à ma ferme, ils ont chaque semaine un panier de légumes. Et du coup, c'est des légumes qui sont bio et c'est des légumes qui sont de saison. Si vous voulez savoir comment ça pousse du chou kale ou encore du chou de Bruxelles, ça se récolte comme ça. La terre choisit pour nous ce qu'il y a dans notre panier et nous, on doit se débrouiller avec. Donc, recrudescence de quiche, mais ça nous a réappris à cuisiner. Petite larve de coccinelle. Ici, vous pouvez voir un beau chou de pontoise. On a réuni une cinquantaine de familles l'année dernière. Cette année, on va passer autour de 90 familles. Et du coup, c'est une famille qui s'agrandit et c'est une famille qui avance de manière positive, quoi. Et ici, c'était le club, ici. On avait plein d'activités. La Lyonderie, a small working class neighborhood near Lille, ravaged by unemployment. Riyad spent his youth at its community center. So it was only natural that he decided to launch his first project here in 2014. Nous voilà dans le jardin du centre social. Donc c'est là que tu as fait tes premiers potagers. Voilà, mes premiers potagers partagés. Et du coup, pouvoir travailler autour de la botanique avec les enfants. Et aussi, y a plein de jeunes du quartier qui viennent. Ah, vous faites quoi? Ah, c'est super! Les mecs, tu les vois sur bête, tu vois, tu dis, ouais, lui, racaille, ça l'intéresse pas. Non, le premier, vas-y, moi, je peux semer. Et c'est là où tu arrives plus ou moins à faire un peu de biologie végétale, un peu de ci, un peu de ça, sans forcément que les gens s'en rendent compte. Et il y en avait un qui me disait, ouais, moi, je suis pas légume, j'aime pas les légumes et tout, mais là, je les aime bien, ils sont bons, quoi. Parce que, il l'a vu pousser, parce que. Voilà, c'est... Et tout ça, tu l'as fait dans le cadre d'une reconversion professionnelle? Tout à fait. Moi, avant, j'étais technicien du bâtiment. Je travaillais en cabinet d'architecte, bureau d'études. Je me sentais un peu à l'étroit dans mon bureau, assis sur une chaise, sur le PC. À côté de ça, tu sors de chez toi, tu fais pas mal d'associatifs. Puis bon, tu rencontres d'autres gens différents. Et puis de là, tu te mets à manger un peu différemment. Tu réfléchis un peu plus tes achats. Et quand tu commences à découvrir ça, t'as envie de le partager, quoi. Donc de là, j'ai repris mes études, j'ai fait un BTS en apprentissage. Et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'installer, j'ai sauté le saut. D'avoir un champ. Tu nous emmènes là-bas? Ouais, je vous emmène là-bas. As a young farmer, Riyad got a spot at an organic cooperative in the Lille region. With the help of an intern and sometimes volunteers, he now grows some 40 different crops, all destined for members of his farmers association. Alors, on récolte de la pomme de terre, on récolte des haricots, on récolte des tomates, j'ai des choux blancs, choux rouges, j'ai des choux chinois. Tu t'imaginais récolter tout ça quand t'es arrivé ici? Je suis quelqu'un qui a toujours été jusqu'au bout des choses, ça peut prendre 10 ans. Les gens, pendant ce temps-là, ils vont se foutre de ta gueule. Et il y en a plein qui se sont foutus de ma gueule. Mais il y en a plein aujourd'hui qui me disent « Punaise, tu l'as fait ». Moi, la serre que tu vois là, je l'ai montée dans l'année. Elle s'est envolée, elle s'est fait arracher par une tempête. La semaine d'après, tu vois, toutes les tomates, elles commencent à arriver. Tu dis « Enfin ». Enfin, voilà, c'est un peu les montagnes russes, quoi. C'est l'expérience la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Mais c'est la plus belle. Franchement, c'est la plus belle. Et t'as l'impression que ce virage du bio, y avait un besoin aussi dans les quartiers? Quand tu discutes avec eux, ils se rendent bien compte que ce qu'ils mangent, ça n'a pas de goût. Mais ils ont une réalité aussi et c'est compliqué. Enfin, ouais. Quand t'as qu'un RSA pour t'en sortir avec toute ta famille et tout, c'est pas simple. Tu te rends compte que ça a un coût tout ça? Bah oui, ça a un coût. Et regarde, moi je suis en train de récolter mes patates à la main. Mais si je pouvais avoir une petite machine qui m'aidait à récolter deux fois plus vite, je pourrais aller désherber, je pourrais aller planter d'autres choses et faire d'autres choses. Riyad doesn't yet pay himself a salary. He still wants everyone to benefit from his work. Ouais, de la sauge. He sells his baskets weekly for 8 euros. Je lui mets entre 700 et 800 grammes. Well below the market value.
On Thursdays, he sets up a stand at this community center in the Lille Fives neighborhood led by Mackie. Il a réussi à nous convaincre et à nous faire prendre conscience que c'est vrai que derrière, il n'y a pas que le commerce qui se cache, c'est surtout la sensibilisation, l'accompagnement des habitants, d'aller créer du lien avec des personnes qui ont besoin d'être suivis, d'être informés sur le circuit court et comment bien consommer. Et c'est ça qui nous a vraiment plu dans son projet. Est-ce que les gens accrochent ? Le panier de légumes est de 8 euros, ce qui pouvait paraître cher. D'accord. Mais lorsqu'on les sensibilise, qu'on se dit avec un panier de repas, on peut tenir une semaine, les habitants réfléchissent et comparent un peu avec ce qu'ils consomment et se disent bah, pourquoi pas. Quand on arrive dans une grande surface, on a tendance à tout acheter. Alors que là, en ayant un panier repas, on se dit bah, c'est voilà, limite. C'est limité. Et donc derrière, il y a quand même une éducation. Et aussi, c'est surtout les ateliers de sensibilisation qu'il vient mettre en place. Donc, l'association Les Scolaires de la Mer, c'est la meilleure qu'on puisse utiliser pour s'engager. Lorsqu'un professionnel qui vient sensibiliser nos habitants sur comment se soigner avec des plantes, c'est des choses qui intéressent aujourd'hui notre public et qui sont très utiles. Voilà. In order to make a living of his work, Riyad will have to double his memberships.